Bonjour et bienvenue dans le coffre numéro 9, le coffre du séjour de l'Arminger, tout au nord de Rhea Silvia, donc de la Sylve de Rhea en français. Vous connaissez tous le monastère obscur et le coffre, et la zone du séjour de l'Arminger. J'avoue que je dis Arminger, mais je suis même plus sûr que ce soit en français, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pareil. Donc, on y va vite. On se dépêche. On va ignorer tous les ennemis, il n'y a aucun problème. On va quasiment à la zone des Ankara. On va à la zone de fin de la mission du monastère obscur pour ceux qui se souviennent ou qui savent. On rush. Par là-bas, cassez-vous, je vous aime pas, personne ne vous aime. Barrez-vous. On va nettoyer vite fait un peu les ennemis. Passons. Il y a un autre. Par contre, il va falloir déblayer ici. Parce que tout le départ du chemin se fait ici. Et ça va être invivable si on ne clique pas maintenant. Bonjour. Donc le principe du coffre est qu'il est tout en haut de là. Ok, ça a l'air bon. Pouf, donc, par ici à droite. Non. Là. Ah oui, non, j'ai plus le buff de l'ascendant. Pardon. Donc, potion. Excusez-moi, voilà. Ici, on voit à droite, en arrivant vers l'endroit du portail. Donc, il y a un challenge de l'ascendant sur la semaine 4, je crois, qui pop ici. Celui de l'épée. Donc, en arrivant au fond à droite, à côté de la statue, tournez la tête vers la droite. Une plateforme apparaît. Magnifique plateforme. On continue. Au-dessus. Une qualité de base, c'est qu'il va falloir monter loin au-dessus. Donc là, le platforming va faire monter vraiment très loin. J'ai raté le... Mon dieu. Donc les échecs. Hein. Ça braille, sa vie, ses mœurs. Les bons échecs. Ça arrive. C'est pas grave. On y retourne. Donc, on disait. En haut. S'il n'y avait pas d'échecs, ce serait pas drôle. Monona. En haut. Donc là, il est en double-cliqué vers le milieu. On note le début de plateforme qui apparaît. On continue. Stoïquement, début de plateforme, on continue, faire attention aux bloquants comme ça. On peut rebondir sur ses couillons, c'est un problème. Hop, ici, donc c'est pas ici. Ici, oui. Ici on note que ce truc bloque aussi. Faut faire super gaffe, ne vous cognez pas dessus en sautant, ce serait dommage. Hop, on grimpe encore plus haut. Faire attention, celui-là est un poil sadique dans la disposition du truc. Un chouïa. Bon, y a pire, hein, clairement. C'est pas le pire qu'on ait eu pour l'instant, y'a pire. Bon, ça veut pas non plus dire que c'est... Hop, petite route qui continue. Route qui continue. Bloquant, avec plateforme au-dessus, bien évidemment. Et route de l'autre côté. Et petit coffre de l'ascendant numéro 9, situé ici. Donc comme d'habitude, le coffre numéro 10 sera le coffre de la confluence. Je rappelle qu'il y a un portail d'accès de la confluence juste en dessous. Hein. Si on va vers les crânes secrets de l'Amkara, des Amkara. C'est celui que je vais prendre d'ailleurs. Sur ce, portez-vous bien, plein de bonnes choses. Et c'est tout, voilà. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Et à la prochaine pour le coffre numéro 10. Sabray out.